Salut les filles, aujourd'hui c'est un favori du mois octobre-novembre. Alors je vais vous présenter 10-11 produits. Voilà, c'est des produits essentiellement de maquillage. Il y a juste une lotion et un démaquillant et la baby oil. Mais sinon c'est rien que du maquillage, des pinceaux, etc. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse regarder la suite. On va commencer par ce qui n'est pas vraiment du maquillage, c'est-à-dire la lotion, etc. Alors d'abord, c'est la lotion de chez L'Oréal que je dois vous montrer, qui est bientôt finie d'ailleurs. Elle est vraiment super, super, super. J'utilise tous les jours, deux fois par jour, le matin et le soir. Voilà. Ensuite, le démaquillant, toujours de chez L'Oréal, qui est vraiment super bien. Avant, j'avais un démaquillant, je vais vous le montrer, de chez Aderma, voilà, qui démaquillait vraiment pas bien du tout. Alors là c'est un lait et là c'est une eau démaquillante, voilà, donc celle-là ça démaquille et je trouve que c'est mieux pour les peaux qui sont un peu grasses comme les miennes, comme la mienne. Et celle-là c'est pour les peaux sensibles, voilà, c'est pareil, hydrate et apaise. Ouais, elle hydrate, mais elle ne maquille pas. Voilà. Si je dois vous conseiller un démaquillant, prenez plutôt celui-là qui est moins cher. Certes, il y en a moins, mais elle est beaucoup mieux que celle-là d'Aderma. Ensuite, la B-Oil. Voilà, hop, pour les vergetures. Elle est vraiment très très bien. Avant j'avais une crème pour les vergetures, pareil. Je préfère celle-là d'une pour l'application aussi, c'est plus simple. Oh, c'est comme ça. Le seul petit bémol, il faut appuyer. Le seul petit bémol, c'est qu'elle fuit un peu. Donc j'étais obligée de mettre un mouchoir en dessous pour pas que ça abîme le bois. Voilà. Ensuite, ça c'est pas vraiment du maquillage parce que voilà, c'est des pinceaux. Les pinceaux de chez ELF de la gamme Studio qui coûtent 4 euros qui sont vraiment super bien. Voilà, ça fait depuis la rentrée scolaire que je les ai, même un petit peu avant. Ils sont vraiment très très bien. Voilà, et je les lave toutes les 2 semaines. Voilà, ils sont toujours aussi bien, toujours aussi doux. Ils perdent pas leur poil. Alors c'est vraiment un bon plan. Ensuite, en maquillage, je n'ai rien que deux choses à vous présenter. C'est le mascara de chez Maybelline, que ça fait super longtemps que je l'ai. Et il est toujours aussi bien. Voilà. La brosse est super grosse, j'adore. Voilà, je déteste les petits picots et là c'est pas des picots, c'est des. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais voilà, c'est super bien. Ensuite, c'est un rouge à lèvres de chez Béranger que j'avais fait un maquillage d'Halloween avec dans la vidéo où j'ai la bouche arrachée. Cliquez sur ma tête pour la voir. Voilà, il est super bien. Comme rouge à lèvres de tous les jours, on peut l'utiliser juste en le tapotant comme ça. Et après, vous étalez avec le doigt. Voilà, c'est super, c'est super beau. Moi, j'utilise pas en mettant comme ça parce que ça fait trop rouge. Parce que c'est vraiment un rouge très vif. Je vais vous faire un swatch. Je dirais que c'est plutôt. Il est mat, mais pas trop non plus. Non, il est pas mat. Voilà. À la caméra, on voit pas trop que c'est un rouge rouge vif. Bon, vous pouvez me faire confiance, c'est un rouge très vif. Bon, si vous avez un Intermarché dans votre ville ou pas très loin de chez vous, c'est le numéro 106. Voilà, hop. Il est très bien. Ensuite, des vernis. Enfin, dans la gamme vernis. Une marque que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps.
qui est très bien. Voilà, c'est tout moi. Il y a une vidéo où j'en parle beaucoup. Cliquez sur le vernis si vous voulez voir cette vidéo. Ensuite, un top coat de chez Je mets Maybelline que j'utilise tout le temps, tous les mercredis à chaque fois que je fais mon vernis. Qui est super bien, qui sèche en vraiment en 2 minutes, voire voilà, c'est vraiment un très très bon top coat. Voilà, très bien. Ensuite, c'est un correcteur de vernis. Voilà. Hop. Le problème, c'est juste la mine. Mais je pense que le nettoyer dans l'eau, au savon, tout ça, ça va le faire. Puisque je l'ai fait avec une mine. Et voilà, elle n'est pas non plus super sale. Du coup, ça va. Ensuite, ça par contre, vous ne pouvez pas l'acheter parce que c'est moi qui l'ai fait. C'est un pinceau d'aligner à la base que j'ai coupé, enfin que j'ai pris, que j'ai nettoyé et j'ai légèrement coupé les petits poils, voilà, pour que ça soit un tout petit peu plus fin. Et c'est vraiment super pour faire des dessins. D'ailleurs, je l'utilise à chaque fois que je fais du nail art. Voilà, je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo. Hop. Voilà, cette vidéo est terminée. Là, j'ai essayé d'enlever le rouge à lèvres, mais il veut pas partir. Donc, pour vous dire que c'est vraiment un très bon rouge à lèvres, parce qu'il ne veut pas partir et qu'il tient toute une journée. Quand vous mangez, certes, il barre un peu, mais voilà, c'est très léger. Après, vous pouvez faire une petite retouche, mais. Voilà, c'est très 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 léger. Bon, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour un tuto. Ciao!